Voilà quoi. Après le l'argent, ça devient indécent quoi. Je vais voir si je peux recruter du monde. Ouais, clairement. T'es niveau 3. Je pense que c'est tout ce qu'il me faut, hein. Ouais, j'ai une personne en trop. Ouais, t'es niveau 5. Ouais, attends. Tiens, toi. Ouais, attends. Hop. Toi, t'es niveau 3. Hop. Voilà. Voilà, donc on est en 2016, donc 2 ans se sont écoulés là. Et donc dans 4 ans dans le jeu, on s'arrêtera. Ouais, je devais faire un tour dans les techs. Ouais. De toute façon, il me reste une dernière technologie à trouver. Bah, qui doit apparaître fin 2016 normalement. Faut que je regarde les. Faut que je fasse attention aux notifs. Oh là là, j'ai 7 milliards. Je vais avoir une autre convention qui va arriver, mais malheureusement, j'aurai pas le nouveau thème. J'aurai pas encore le nouveau thème, donc. Ah, excusez-moi. J'ai un. De quoi s'agit-il? Ok, une notification Facebook. Ouais, je suis très peu sur Facebook ces derniers temps. Hein. Alors, vente au détail. Bah non, c'est non. Ouais, je me permets de refuser des jeux, honnêtement, parce que voilà, niveau pognon, tout va bien, quoi. Bon, 9 semaines pour avoir le pro pour avoir la prochaine. La prochaine. Voilà. La prochaine tendance. Bon voilà, après les consoles commencent à bouger un petit peu, mais. Bon, hop. Ouais, la Pocket Edition niveau note, elle continue à dégraisser à mort. Bon, ben. The Hill, double, back to back. Et tant pis, on continue sur la PE, hein. On continue sur la Pocket Edition, hein. On mise tout là-dessus, la game tablette de la version de salon, elle a encore un petit peu de vie devant elle. Et la Pocket Edition aura moins marché. Elle aura bien marché, hein, mais elle aura moins bien marché que la version de salon. Alors, vente au détail double A, c'est non. Attention, attention. Stop. RPG. Donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est mettre le moteur de RPG. Non, pas développer un nouveau moteur. Le moteur RPG, on va l'améliorer.
Voilà. Pour aller plus vite, lui, il va porter son support. Voilà. Parfait. Et on va développer un jeu. Alors, RPG sur le thème des avions. Un RPG avion. Wow, RPG avion, je vois pas. Sur le thème des avions, un RPG. Avion, moi je vois bien ça avec une simulation. Je mets Animaux de compagnie et on fait un Star Fox. J'en sais rien. Là je vous avouerai. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Star Fox, c'était pas réellement un RPG, mais je vois que ça. Puis c'était pas vraiment une simulation non plus. C'était un jeu d'arcade, Star Fox. Si on peut faire un truc genre Airport Tycoon ou un truc comme ça. Dans E, est-ce que j'ai économie, un truc comme ça. Espionnage, évolution, fantasy, entreprise d'enfer, enfant, éducation, économie. RPG, simulation, ouais, je vois bien un jeu genre AirPod Tycoon, mais avec plus d'histoire, en fait. Avec vraiment un aspect RPG, ouais, peut-être. Peut-être. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, gameplay, histoire, bah évidemment c'est un RPG, donc de l'histoire c'est important. Donc tout dans le gameplay, dans l'atmosphère également. Profondeur de jeu et pour les pro gamers. Donc pour résumer, il faut que je réduise ici et que j'augmente là. Ok. Non. Ok, donc ici, amélioration du gameplay. Ici, suppression des vagues. Graph. Son. Et vidéo. Avec la petite campagne marketing, évidemment, qui va bien. Septième mois, donc la convention est passée. Hop, on va faire une grosse com. Donc je fais une petite com quand je sais que les conventions vont tomber. Et si la convention ne tombe pas, évidemment, je fais une grosse com. Comme ça. Assigné. Je check ici, mais... bien je pense. On va refaire une campagne pour la Game Talent.
quant au détail, double A, donc c'est non. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai... Ouais, j'ai l'impression qu'il va pas être ouf ce jeu, je sais pas pourquoi. Bon, ouais, peut-être, je sais pas. Ah oui, c'est parce que tous les points sont plus mis dans le gameplay que dans le son et le design. C'est pour ça que j'ai l'impression que les points sont élevés, mais en fait, c'est parce que c'est le... C'est le gameplay qui prend tout. Vente au détail triple A, ça je prends. Je prends, donc dans 8 semaines. Ah, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus. Ouais, 95%, ok. Alors. Hop, annuler le support. Tu te mets sur le packling. Et toi? Vu que t'as fini, hop, alors, Soft TV, millions de cartouches, on va également faire la Rocom. On est bien là. On est bien. Bon. Résultat, j'ai plus mon équipe de dev de soutien, mais le jeu veut sortir. J'ai 52 semaines pour le sortir, honnêtement, c'est vraiment pour aller plus vite, mais ça n'a pas son importance en réalité. Hop. Petite mise à jour, il n'y a pas de bug, donc on est content. Voilà, comme ça il pourra sortir dans cette semaine ce jeu, je sais, qui fera un carton, The Hill. Donc attendez, j'ai quoi en... Non, de toute façon j'ai que ce jeu là qui est en... Après j'ai la recom là à vérifier niveau... niveau des stocks, mais ça devrait aller. Voilà, il n'y a plus que les contrôles qualité et le bureau là-haut qui bosse pour terminer le jeu. On passe les 9000 points pour le gameplay, donc le gameplay c'est bon, c'est gagné. On va avoir une bonne note là-dessus. Bon, ça, on s'en fiche. Pour Tycoon, donc non, il y a encore un bug. Voilà. Maintenant, on le vend. RPG avion. 80%, c'est pas... oufissime, mais bon, ça fera l'affaire. Bon, on est toujours studio de l'année. Safety Navy, d'accord, ok.
après Safety Navy. Ah ouais, 500 000, ouais, non, ça va, c'est correct. Et Airport Tycoon, bon. Voilà, voilà. Non. Alors si je regarde par exemple Double, voilà, Double il est déjà rentable de 217 millions. Back to back de presque 400 000 millions. Toy Story de 500 millions. Simmons, presque 500 millions aussi. Dragon Ball, 700 millions. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt rentable. Ah, Oomph, moyen. 400 millions. Karate Kid, 500 millions. Portal, 700 millions. Voilà. Vous voyez, ça rapporte masse. Hein. Ah. Back to up. Ça, c'est l'euro comme ça. Ouah, ça va. C'est pas dramatique. Là, je vais faire 25K, honnêtement. Ça va partir. Bon, ben, j'ai 10 milliards. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai 10 milliards dans les caisses. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, voilà, voilà. Mad Game Tycoon. Mad Games Tycoon. Pourquoi je vais là-dedans instinctivement? Ouah, ça va. Est-ce que je peux refaire des recoms? Oui, la recom de back to back. D'ailleurs, immédiatement, attends pas une semaine pour la faire. Non. Trente mille la recom, ça va. Ah. Putain, Softy Navy, j'ai vendu 2 millions de cartouches. Et je suis encore à... Oh, oh merde. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Peut-être pas quand même, faut pas déconner. Je remets 2 millions, quoi. Je revends 2 millions de cartouches pour Softy Navy. Parce qu'il se vend comme des petits pains. À 100 000. Ouais, ils vont encore à 50 000 par semaine, quoi. Purée. Mince. Hop. Et ça, je m'en doutais que j'allais manquer de cartouches pour la recom de back to back. Mais bon. C'est long. Bon. Je peux faire une recom à 1 million de cartouches quand même avec back to back. Ce serait ouf. Honnêtement, je crois que j'ai jamais atteint le million en recom de cartouches. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Non, ça arrivera pas. Ça redescend trop vite. Le soufflet redescend trop vite. Bon, 100 millions quasiment sur Softy Navy. La recom de Back to Earth, ouais, il manque un petit peu. Bon. Pas grand chose. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai 11 milliards dans les caisses. Dans 20 semaines, j'ai une nouvelle tendance. Et dans un mois, j'ai la convention.
Tiens, je suis en train de penser. Hop. Ouais. On va arrêter de faire des championnats et on va faire des salons d'exposition. Ça coûte plus cher, mais j'ai le pognon. Et puis ça me rapportait plus. Ah, alors, un double A, mais en MMO. Donc, je vais vendre ce jeu. Je mets 8 semaines, mais honnêtement. Ouais, ça c'est instinctif, je fais ça comme ça, mais. Hop. Voilà, convertir de MMO en free to play. Oui. Hop. Modèle éco. Hop. Stop. Le packling. Ah, ils avaient déjà fait pas mal de choses. Donc le packling et. La petite mage qui va bien. Il y a des bugs. Il y a des bugs sur cette merde. Bon, ça va. Ça a été corrigé vite. The White, ok. Vous les mecs, vous allez faire quelques rapports. Eh ouais. Trente-six millions de joueurs. Ça va. Allez, The White. Soft in Heavy. Airport Tycoon. Ouais, mais Soft in Heavy, c'est un. Non. Soft in Heavy, il est en fin de course et c'est pas un. Donc double Airport Tycoon, ouais, on va faire ça comme ça. Et on envoie l'APE, la Pocket Edition. Et on a un nouveau jeu encore en double A MMO. The Force World. Je vais vendre ce jeu dans 8 semaines. Alors. Donc c'est ces deux jeux-là, hein. The White 2. Et il me faut Force World. Packling. L'autre entre deux, il a fini l'autre packling. J'ai pas de bug dans The Force World. Donc, je fais juste l'outil patch de mise à jour pour augmenter quelques points. Et puis, c'est pas mal. Voilà. Bon, donc j'ai deux jeux. Ouais, j'ai deux jeux supplémentaires en free to play. Ça, eux ils vont sortir dans quelques semaines. Ça c'est une vente au détail, donc la file dans le jeu. Honnêtement, c'est pas mal que en fait que comment que nos filiales nous proposent des MMO, parce qu'avec les MMO on a le temps de réagir. Alors que bon, pour le moment on n'a pas encore eu de free to play qui nous ont été proposés, mais vous allez voir que quand une filiale va nous proposer un free to play, on n'a pas le temps de réagir en fait. Si on fait je vends le jeu, en fait il est directement mis en téléchargement et on n'a pas le temps de faire les packlings, on n'a pas le temps de faire les mises à jour, on n'a pas le temps de faire la com, et c'est tout de suite en ligne. Alors résultat, faut faire ces trois choses-là, donc le pack linguistique, la mise à jour et le commercial. Alors que le jeu est déjà en fait sur le marché. C'est un petit peu agaçant. Donc à la limite, les MMO, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, c'est ce qui est le mieux proposé par les filiales en fait.
Bon, ok, ça c'est nickel. Voilà. Juste, voilà. Ok, j'ai The White 2 qui commence déjà... Ouais, 350 000 joueurs. 650 000 joueurs, ouais, d'accord, ok. C'est pas mal. Bon, on va avoir notre... Ah, on a la Switch. On a la Switch, avec la Switch, on a la réalité augmentée. Et on a également d'autres trucs sur les consoles. Et d'ailleurs, nos consoles arrivent en fin de... En fin de hype, enfin pas de hype, mais de... Ouais, de désir. Donc, ouais, la PE, elle est complètement hors désir, donc on peut les laisser encore un petit peu, mais honnêtement, je pense qu'on va repartir sur des nouveaux, sur des nouvelles consoles. Ok, excusez-moi, j'ai pas vu. Alors, on a médiéval, tir à troisième personne, tir à troisième personne médiéval. Par contre, ce qui est mal vu, c'est les RPG et sur le thème du dessin. Ouais. Donc. Donc, j'ai dit que c'était tir à troisième personne, donc les TPS. On va améliorer le moteur de TPS. Third Person Shooter. J'ai pas fait le moteur de TPS ? Ah, j'ai pas du tout fait le moteur de TPS. Oh, ça change tout. Il semblait l'avoir fait. Millions, hein. Et c'est bon, j'ai toutes les technologies. Parce que je sais qu'il y a 52 technologies dans le jeu. Ok, lui, il a... Voilà, donc... Ok. Donc on a... Quasiment toutes les techs, il reste quoi? Il reste deux technologies de console que je vais rechercher. Voilà, 12 millions et 10 millions. Putain, au départ du jeu, ça nous paraissait exubérant comme prix. Maintenant, c'est des cacahuètes quoi. C'est clairement des cacahuètes. Ok. Ah, faut que je regarde aussi aux protections contre la copie. Ok. Alors, je vais juste vous demander une petite minute. Bien, excusez-moi. Donc, donc, médiéval, on a dit. Médiéval, et c'est... J'ai du mal. Third Person Shooter. Donc, tir à troisième personne. Donc, TPS. Je suis sûr que je l'ai pas vu et que j'en ai un. Non, non, j'ai qu'un FPS, j'ai pas le TPS. Bon, il m'aurait semblé. Bon, bah soit. Ensuite, donc free to play. Tout âge, nanana. Alors, médiéval, tir à troisième personne. Alors, j'ai envie de prendre. Alors, pour le. Tout ça, je vais voir après, mais. Sure.
Et j'ai envie de faire... Comment il s'appelait ce jeu? Attendez. Je regarde le jeu. Comment ça s'appelait? Je vais y arriver, hein. Je vais retrouver. Bon, pardon, excusez-moi. C'était. Je l'avais fait ce jeu. Ah, je vais le retrouver, hein, juste une seconde. Pas de bol, c'était pas dans la saison 1. C'était un jeu dans la saison 2. Non? Non, j'en avais fait un let's play. J'en avais fait un let's play. Décision médiévale, c'est ça. Voilà, on va faire ce jeu. C'est vrai que c'était un jeu flash, mais que je l'avais fait. Non, pas du tout. Je l'avais fait en let's play. D'ailleurs, je vais remettre des majuscules à mes titres parce que c'est quand même plus classe. Donc, décision médiévale, donc c'est. Il y avait des zombies. On peut peut-être faire des zombies. Tir à la troisième personne. Et j'avais envie de mettre aventure. Ouais, hein. On peut mettre aussi construction, on peut mettre pas mal de trucs dans le jeu en fait. Voilà. Décision médiévale qui est un let's play sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Donc on va repartir sur un truc du genre comme ça. Hein. On a l'habitude. Et donc, on va faire décision médiévale. J'ai un doute. Ouais, je l'ai bien mis en free to play, hein. Ouais, vu le prix, ouais, c'est un free to play. Bon. Eh, Sir Fisher, non. On arrive en limite de nos serveurs, va falloir augmenter la taille.
Va falloir augmenter la taille de nos serveurs. Décision médiévale. Dans un brainstorming, des idées géniales ont été proposées pour le jeu en cours. Cela devrait largement améliorer le jeu. C'est cool, les mecs, ils brainstorment et tout. On va pas cracher dessus, hein. Oh! On n'est pas dans les rewards? On n'est pas dans les awards? Oh la tristesse pour cette année 2017! Déçu. Choqué, déçu. Bon. Non. Il faut que je fasse attention à ma capacité de joueur. Oh oh, comment ça? Oh oh. Soft in heavy. Oh la vache, soft in heavy. Oi, 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 le massacre. Le massacre de ce jeu. 105 millions. Faut un petit peu ce qui... Ok, back to earth justement, hop. Comme ça, je peux libérer ce slot. Hop. Enfin, il n'y a pas réellement de slot, hein, c'est illimité, mais... Enfin, c'est illimité dans la limite des 17 millions de cartouches, quoi. Ok, il y a énormément de bugs dans le jeu. Voilà. Bon, est-ce qu'on ferait pas un petit remaniement? Ah. J'aurais bien envie de remanier un petit peu le tout. Que clairement décision médiévale, il doit rester un bug. Ouais, il restait des bugs. Hop, voilà. Donc on publie le jeu. Bon, on n'arrive pas vraiment à avoir de médaille d'or dans nos jeux, hein. Bon, donc médiéval, tout ça, voilà. On a quelques contrats, alors on va les faire. Alors, je vais tenter un truc. Je pense que c'est bon, hein. Si je fais ça.
et que je fais... Ah, excusez-moi pour le... Non, j'ai oublié ça. Hop, c'est ma boîte mail qui s'est lancée en plus. Alors, hop, c'est le serveur. Si je la recrée immédiatement. Ok, 10. Et je la crée... je la crée de ouf, hein, voilà. Hop. Si je remets en marche. Non, il va recalculer tout. Ouais, bon, ok. Donc c'est bon. Donc si ça a été coupé quand même une partie de la semaine, donc j'ai dû perdre quand même du monde, mais ça devrait être bon. Ouais, donc il faut agrandir les salles et pas les détruire et les recréer. C'est un peu dommage, mais bon. Parce que le truc, c'est que c'est chiant après de replacer serveur par serveur, quoi. Alors, War Tactics, non. Bon, mais là, voilà, je peux accueillir jusqu'à 120 millions de joueurs. Voilà, vous faites pas chier. Non. C'est ça qui est dommage. Honnêtement, j'aimerais, c'est qu'ici, là, avoir plus d'options. Notamment, par exemple, n'accepter en fait que les free-to-play et les MMO. À la limite, je serais même prêt à faire ça. Tac. Et accepter que les MMO et les free-to-play. Alors, le problème, c'est que si je mets comme ça, vous allez voir, je vais me faire harceler. Des pop-up, je vais en avoir tout le temps. C'est ça qui est embêtant. C'est pour ça que je me mets à 4 étoiles, je trouve assez correct. Voilà. Mais vous allez voir, on va faire le test. Hein. Si je me mets ne serait-ce qu'à 3 étoiles, vous allez voir. C'est. Hop. On va se faire harceler. Hein. Toutes les semaines, on va se faire harceler. Ah ça va, mais habituellement on se fait harceler assez rapidement quoi, ça devient rapidement lourd. Bon, back to back. Ouais c'était la recom ça. C'était la recom. Non c'est pas ça que je veux, c'est ça. Ok. Cette semaine pour la prochaine recom. On va essayer un... J'ai un petit peu de temps. Non, alors, The Hill, c'était un... Ouais. Je vais pas présenter des recoms, ça fait vraiment... Maintenant, ça fait vraiment ringard de présenter des recoms, quoi. Alors... ce que je voulais... Ouais. On va développer un jeu. Mais un jeu à licence. On va tenter un jeu à licence. Allman Forever. Putain, c'est Batman Forever ? Tac, allez, hop. On va faire un jeu pourri. Alors, oui. Donc là, voilà, c'est obligé de prendre le nom. Alors, en réalité, on peut remodifier, mais vaut mieux garder le nom. On va faire un TPS. Est-ce que j'ai le thème super-héros ? Est-ce qu'il existe un thème super-héros ? Ouais. Super-héros. Super-héros technologie, hein, c'est Batman. Le pire, c'est que j'ai jamais vu ce film. Tiens, j'ai pas de technologie.
Ça n'existe pas, technologie. J comme justice, il y a peut-être, non? Jouer. Jeu d'argent, jouer journaliste. Non. J'ai vu qu'il y avait le thème police, sinon. Hop, police. Hein? Pourquoi il l'a pas pris? D'accord. Excusez-moi. Je m'ai cliqué. Voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est pas une vente en détail, ça va être un free to play. Puis on va garder les mêmes. Ah, je voulais un truc. Hop. Bon, tous ces achetés quitte à faire. Et voilà. Voilà. Hop, 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 Bon, c'est bon, il s'est remis à sa place. J'ai désactivé cette option. Hop. Alors, je voudrais voir un truc. C'est à combien de bugs on peut monter sans... Si personne s'en occupe, on les supprimera à la fin, hein, mais... Mais à combien on peut monter? Alors, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer tous mes moteurs. Donc, l'adresse. Donc on va laisser le jeu Batman se faire. Enfin, All Man. J'y crois pas. Bon, hop. Le combat. De toute façon, on découvrira pas de nouvelles technologies. On est au bout, hein. Il y aura pas de nouvelles technologies. J'ai vu que The Hill. Ah, automatisation. The Hill était au bout. Ouais. Ah. J'ai vu que The Hill. Ouais, il faut pas grand-chose, hein. 5K, ça ira. Ça ira, 25 heures. Hop. Bon, l'arcade, ça a pas duré longtemps. Hop. Ouais, faut aller, hop. Voilà. Suivant.
Allez, RPG, il lui manque juste une technologie. Hop. Voilà. Stratégie en temps réel. Voilà, comme ça je mets tous mes moteurs à jour et il faut que je crée ce que je n'ai pas encore fait, à savoir les FMV, les choses comme ça. Ouais, on monte haut en bug quand même. Hein. Ouais, chez toi. Hop. Tu vas te remettre là-dessus. Des moteurs d'énigmes. RPG, vente au détail, ouais, donc c'est non. Bon. Il propose pas de 3 étoiles, c'est bizarre. Mais bon. C'est bizarre, d'habitude, il y a toujours des 3 étoiles qui viennent quasiment toutes les semaines, mais apparemment, bah, 2018, c'est terminé. Bon. Mais bon, mais bon. Hop, on va continuer. Stratégie. Donc, stratégie sans temps réel, c'est les RTS, hein, je suppose. Ce genre de choses. Ouais, 250 bugs si personne s'en occupe. Je veux vraiment voir jusqu'où ils peuvent monter en bug. Non. Simulation économie. Eco plus. C'est... Non. Non. Ouais, 300 bugs. Est-ce que je le sors avec des bugs? Genre, gros troll, quoi. En hommage à Batman Forever, quoi. L'honneur aux jeux vidéo. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais que tu continues à développer les moteurs. Donc sport. Toutes les technologies. Donc ça me coûte cher, mais au moins tous mes moteurs seront à jour. Destruction Man. C'est Demolition Man? Le film avec Sylvester Stallone? Non. Et pourquoi pas une laisse dans le cul? J'adore ce film. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Mais c'est un excellent film. Hurricane. Non. Ok, construction. Là, on va arriver à 400 bugs. Je veux vraiment voir jusqu'où vraiment ils peuvent monter. Non. Non. Simulation. Voilà, comme ça, je suis paré pour le prochain. Vraiment pour le prochain. C'est là qu'il me demandait FMV, une connerie dans le genre, putain. Et que j'ai pas créé le moteur. Alors, il me reste... Bah c'est bon. Alors, j'ai
Adresse combat, arcade, FPS, RPG, stratégie, temps réel, énigme, stratégie, système économique, sport, construction, simulation et tir à première personne. Ok. Donc, adresse arcade, énigme, course et saute. Je crois que je l'ai pas fait le moteur de course et saute. Cours et saute, c'est sûr. Les FMV, je les ai pas fait non plus. C'est les deux seuls? Simulation écho, je l'ai fait. Donc c'est cours et saute que j'ai pas fait. J'ai un doute sur cours et saute, faut que je vérifie. Cours et saute, je l'ai pas fait, et les FMV. Donc, cours et saute. Voilà. Il manquera plus que les FMV. Alors, hop, et le dernier moteur. Ils en sortent plus de ça de FMV. Y a les... Si, y a les jeux Titel, un petit peu, qui sont un peu des FMV. Bah, ah pardon, excusez-moi, j'ai donné un gros coup dans le micro, j'espère que ça s'est pas trop entendu. Il y a les séries des Telltales qui sont des jeux point and click. Donc c'est des FMV les point and click, hein. Enfin, c'est la nouvelle génération des FMV. Donc voilà. Décision médiévale. Donc qui est en meilleure bande sonore. C'est vrai que niveau son, il était très bien ce jeu. J'hésite à sortir avec les bugs, rien que pour troller. Non, on va pas le faire.